Aujourd'hui, je suis venu à Chaponneau rencontrer Edwin Verhulst, je l'ai bien dit. Verhulst, ouais, c'est ça. Voilà, de la société Winterhalter. Alors, Edwin, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu la société ? Avec grand plaisir. Alors, Winterhalter, c'est pas forcément connu parce que nous sommes une société qui est un petit peu cachée dans la grande cuisine. Nous faisons de la laverie professionnelle, lave-vaisselle professionnelle. Et le nom Winterhalter, c'est un nom de famille. D'une famille en troisième génération, une famille allemande du sud-ouest Allemagne, au lac de Constance. D'accord, vous êtes indépendant, c'est une filiale ? C'est une filiale, ça s'appelle Winterhalter SA, c'est une filiale juridiquement indépendante du groupe et qui existe depuis plus que 25 ans en France. D'accord, alors pourquoi dans le sud-ouest lyonnais ? Dans le sud-ouest lyonnais, parce que c'est une. On était à Paris avant, à Paris, notamment à Clamart. On a changé notre site de distribution pour des raisons de développement. On a bien compris que la région lyonnaise, c'est une région où économiquement il y a un bon développement. Il y a un personnel fantastique ici. Donc, au point de vue recrutement, c'est très facile, c'est très international, c'est une bonne plateforme de transport. Et puis, n'oublions pas la qualité de vie autour de Lyon qui est quand même exceptionnellement bien. D'accord. Vos clients, qui sont-ils alors ? Alors, les clients, le client pour nous, la définition du client, c'est un segment de marché, on va dire. Donc, c'est la restauration indépendante, restauration commerciale indépendante. Les restaurants de chaîne, les boulangeries, pâtisseries et les collectivités. Ce sont des utilisateurs d'un lave-vaisselle professionnel, ça sera d'une petite machine vers un tunnel de lavage. Et nous passons pour visiter ces clients, on les visite, mais on passe à plus que 90% par un réseau de revendeurs qui se situent partout en France. Ça s'appelle le GS60. D'accord. Et GS, c'est le raccourci allemand pour le lavage. 1957. Ça, c'est notre grand patron qui a 100 ans. Alors, faites-nous rêver, parce que vous êtes à Lyon. Lyon, c'est la capitale de la gastronomie. Oui. Je suis sûr que vous avez des grands chefs chez vous. C'est absolument correct. On a pas mal de grands chefs qui sont clients chez nous. C'est une niche aussi, une niche de haute qualité qui correspond bien à notre équipement, qui est un équipement de très très bonne qualité aussi. Et je veux bien mentionner certains grands chefs, il n'y a pas de problème, mais je ne veux pas, en faisant ça, diminuer l'importance d'autres grands chefs. Mais récemment, le grand chef, M. Troisgros à Rouen, nous a fait confiance en passant en Winterhalter. On a des grands chefs comme Jacques Décoré, comme Georges Blanc à Lyon, comme aussi Monsieur Guy Martin du Grand Véfour à Paris, pas seulement de la région lyonnaise. Voilà, on a une belle clientèle. Alors, qu'est-ce qui fait votre différence par rapport à la concurrence ? J'ai bien compris que vous étiez une niche. Oui. On a bien compris que vous étiez allemand. Alors, souvent, les Allemands, on dit que c'est la rigueur, c'est la qualité. Alors, c'est ça votre force ? Ça fait partie de notre force. C'est un point important, certainement, d'être très carré quand on construit un équipement qui est très, très sollicité chez le grand chef, notamment. Il fait 125-150 cycles de lavage par jour. Et ce qui fait un peu notre différence, à part d'être une société familiale qui a un historique de 50 ans ou 60 ans maintenant, c'est un suivi de notre clientèle en les écoutant et de fabriquer des machines qui vont bien pour leurs besoins de résultats de lavage. On ne parle pas trop souvent de nos machines, mais de leur exigence en résultats de lavage. Ça veut dire, le grand chef, il veut sortir un très beau verre de son lave-verre dans son restaurant, il a besoin d'une qualité d'eau impeccable, donc on lui aide à traiter l'eau. On lui fournit un produit de lessive et de rinçage qui est de top qualité. On lui fournit une machine qui est de top qualité au point de vue puissance de lavage et adaptation de la température, de la puissance de lavage, etc. Donc on lui dit, on vous règle votre problème. On lui dit pas, on vous fournit la meilleure machine du monde. Alors là, on a trois différentes puissances. Et ce qu'on veut montrer au client, s'il met avec puissance 1 un verre très précieux dans la machine, ça va très doucement brasser de l'eau. D'accord.
avec le champ de lavage. Et les pistons blancs que vous voyez là, ils sont là pour montrer, ça monte vraiment pas très haut. D'accord. On est très doux avec le verre. Alors est-ce qu'il y a une actualité en ce moment chez Je dirais que oui, parce que bon, tout ce qui est énergétique, ça devient de plus en plus cher. L'eau, l'électricité, c'est un souci pour une grande cuisine qui dépense beaucoup d'argent pour leurs fourneaux, pour tout l'équipement qu'ils ont dans leur cuisine. Donc ils sont extrêmement attentifs aux coûts liés à l'eau et à l'électricité. Donc ce qu'on fait nous, dans notre domaine, et je prends juste un exemple, on fait du rinçage, donc le lavage, le cycle de lavage, juste pour dire un peu, ça dure 2 minutes. Et une partie de ces 2 minutes, on va dire 30 secondes, 20 secondes, c'est un rinçage. Ce rinçage se fait à 65 voire 85 degrés. Et avec cette température, il y a beaucoup de buée qui se crée, et c'est de l'énergie perdue. Parce qu'au moment que vous ouvrez le capot ou la machine à laver, la vapeur s'en va. Et nous, ce qu'on fait, on la récupère. On la fait passer par un condenseur récupérateur d'énergie pour préchauffer le surchauffeur de la machine. Et ça peut amener par an, pour dire un chiffre concret, 600 euros d'économie d'énergie. D'accord. Donc c'est quand même de l'argent que le grand chef se remet dans la poche et il a raison de le faire. Il ne baisse pas ses prix par contre. Hein. Ah ça c'est son affaire, comment il traite ça derrière. Le module énergie au-dessus qui récupère la buée. Quand on rince à 85 degrés, ça fait dans le visage. Si on récupère l'énergie, c'est comme maintenant. D'accord. Il n'y a pas de buée qui sort. On le referme et on actionne la machine et ça y va. L'avenir de la société. Alors nous sommes depuis des années dans un bon axe de croissance et nous souhaitons l'être dans le futur aussi. Et c'est l'innovation qui nous permet de faire ça. C'est le bon suivi de notre clientèle, c'est une stabilité d'approche commerciale dans le marché. Nous sommes des gens qui sont très calculables envers nos clients. On fait un bon service. Même aujourd'hui, je suis d'accord, tout le monde a peur. Mmh. On n'arrive pas à regarder plus que deux semaines devant nous pour voir qu'est-ce qui se passe. Mmh. Et il faut être prudent dans tous les investissements et tout ce qu'on fait dans le futur. Mais je pense que le client, tout de même, il a compris que s'il a un produit qui dure 10, 15 ans dans sa cuisine, comme il fait avec Winterhalter, il va se dire ok, bon, c'est un petit peu plus cher, mais je fais un investissement à long terme et j'espère qu'il reste avec nous pour le long terme. Et c'est la raison pour laquelle on suit bien notre clientèle. Alors une dernière question plus légère. Oui. Vous rayonnez sur toute la France, même à l'international. Oui. Alors est-ce que pourquoi vous êtes inscrit à Solène alors? Parce que c'est local, Solène. C'est très local parce que moi personnellement déjà je crois beaucoup à la proximité. Il ne faut pas toujours parler de la grande nation mais aussi du local. Et ça me fait extrêmement plaisir d'avoir un réseau de communication économique dans la région et de faire partie de cette association qui est d'ailleurs très conviviale, très pro et qui me permet aussi de ventiler une image, notre image, leurs images et d'avoir des réunions concrètes sur les intérêts de la région. Mais écoutez Edwin, je vous remercie et puis à bientôt. Avec plaisir, merci beaucoup.